Bonjour et bienvenue dans Gorogoa. Le premier jeu d'une liste qui va parler des jeux qui m'ont marqué. Gorogoa est un jeu d'énigmes qui joue sur les perspectives et la profondeur de champ dans une BD, une fausse BD en fait, dans laquelle un personnage va se déplacer. L'intelligence et la fluidité des énigmes en font un jeu euh, modèle dont certains sont inspirés par la suite. Je pense notamment à Super Liminal hein, qui lui aussi euh, jouait sur les perspectives. Grogra est une expérience artistique très courte et très difficile à prononcer. <laughs> euh, marquante aussi car elle se déroule dans un univers onirique où un monstre détruit une ville et c'est à vous de récolter les fruits pour calmer la créature. On y entre, on est à paix, on va au bout d'une... Chose rare pour moi à nouveau. Ce sera un point commun entre tous les jeux euh, que je vais présenter, c'est que finalement tous les jeux que je vais présenter ici, en général, je m'y suis plongé et j'en suis plus ressorti. Alors c'est un jeu ultra court qui fait entre une et quatre heures. Ça dépendra de votre euh, vitesse. Unique prenant un modèle d'efficacité, un modèle de mariage entre artistique et fun. Hein. Il prouve que les deux peuvent fonctionner ensemble. Son seul dé défaut, trop court peut-être. Peut-être un monde trop cryptique dont on ne comprend pas grand-chose, mais qui finalement parvient à transmettre de manière claire ce qu'il attend du joueur. La première perle de mon long collier que nous allons construire ensemble, composé des jeux donc, qui m'ont marqué et que je serais ravi de partager. C'est le, le, le jeu le plus récent euh, auquel j'ai joué actuellement. Voilà, à bientôt, ciao